Bonjour à toutes et à tous, c'est Spoon, comment ça va les amis? Ça va bien? Même moi ça va bien, c'est nickel, vous voyez. Je suis niveau 5, donc j'ai tué... Attends, excusez-moi. J'ai un peu essoufflé. Donc comme vous pouvez pas... Comme vous pouvez le voir, j'ai tué un peu tout ce qui est tout le monde qui avait là. Les gars robots qui avaient ici. Donc il y a eu pas grand chose, hein, clairement, regardez. 2-3 gros, j'ai été l'autre bout là-bas. Alors oui, alors attendez. Et là je suis là. Donc du coup bah, j'ai tué tout le monde qui avait là et tout le monde qui avait ici, vous savez, quand on a été ah non, c'est par ici je crois plutôt. Ou voilà, bref, c'est vous savez quand on a été chercher les fourrures de Garogo, donc j'étais tué tous les Garogo qui est là-bas. Et ici j'ai tué tout le monde aussi. Et vu que je suis passé niveau 5, quelque chose que j'avais complètement zappé. Du coup maintenant. Oui, j'ai eu un nouveau flingue aussi. Bon, récemment. Okay, maintenant, tout. Je peux avoir le sniper. Et oui, je peux utiliser mon sniper. Voilà, le sniper, enfin le sniper. Ça sert plus à grand chose maintenant, mais c'est tout. Et maintenant, j'ai aussi un point de compétence que je vais claquer ici. Et maintenant, est-ce que vous savez ce que j'ai? Bon, je peux vous montrer ça la dernière fois, mais j'ai des arbres de compétences différents pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai guérilla, donc c'est tout ce qui est offensif on va dire. Puissance de feu c'est en fait je sais plus trop. Ça c'est défensif, c'est tout ce qui est pour ma survie. C'est pas forcément lié à la tourelle, c'est tout, c'est peut-être lié à moi et à mes armes. Là c'est pour ce qui m'a survie, donc ce qui m'a ma vie à moi et la vie de ma tourelle. Là c'est pour tout ce qui est on va dire la force, disons voilà, augmente les armes. Ah. Mais arrête. Voilà. Augmente les impacts des armes et dégâts affichés au corps à corps. Voilà. Donc moi ça augmente mes dégâts. Donc si je mets un point là-dedans, quand j'aurai un point, ça mettra plus 4% de dégâts d'armes, plus 3% de dégâts corps à corps. Ce qui est ma foi, oui. Bon, pas dégueu, mais bon. Enfin bon. Voilà. Voilà. Et donc le premier c'est tout ce qui est défense. Et du coup maintenant j'ai une tourelle qu'on va s'empresser d'essayer tout de suite. Et on va du coup aller chercher ce petit nabo de la quête. C'est bien le, oui c'est ça, c'est le nabo sur son Garogo. Donc voilà, donc on va aller à Sonnershell Bay, ouais, là-bas, voilà. Et je me souviens que la première fois que j'ai fait le nabo, c'était plutôt sportif, on va pas se mentir, hein, clairement. Donc là, vous voyez, j'ai un truc, je vais faire. Une belle journée pour faire des affaires. Et j'avais oublié ça la dernière fois. Je peux acheter des munitions. Et je vais acheter. Non, c'est pas grave. Ah oui, c'est les roquettes. Du coup, maintenant, je vais vendre mes armes parce que. Donc ça, oui. Oui. Ça, je peux le vendre. Ça on aura sûrement plus un plus tard, oui. Voilà. On est toujours ouvert. Attendez. Juste comme ça. Donc on va chercher 18. Je cherche 3 secondes. 3 et moi j'ai combien? Ah ouais, c'est quand même beau. Bref alors. On y va. Du coup on va essayer de ce petit sniper. Espérons qu'on puisse pardon, essayer. Oui, on va toi là-bas. Un shot, ça dit gauche. Mais il a rien senti. Par contre, attendez, juste le recharger. Donc maintenant, je suis un peu attiré des noises, comme on dit dans le jargon. Et ah, donc voilà, donc c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, hein, donc je commence à avoir un peu l'habitude. Par contre, le problème d'ici... Ah bah attends, bah regardez, soit c'est celui-là, non c'est pas celui-là, c'est celui-ci alors. Voilà. Ma tourelle. Tout ce qu'elle tue, l'XP me revient à moi, hein, effectivement. Voilà, et une fois que c'est fini, hop, on peut la ranger. Donc vous avez vu la barre en bas, au-dessus de la barre d'XP, tout en bas, au milieu, il y avait une barre
qui descendait. Et c'est le temps que mettait la tourelle à se remballer en fait. Enfin, quand la barre est terminée, la tourelle elle se remballe automatiquement. Coucher, 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 couche, couche. Merci. Donc voilà. Donc quand la barre en bas est terminée, la tourelle elle se remballe toute seule automatiquement et j'ai plus de tourelle. Enfin, je peux la relancer après une fois que le temps est rechargé. Donc là vous voyez au-dessus de la barre de bouclier, j'ai ma tourelle qui est là et que quand elle est en verte comme ça, c'est à dire qu'elle est active. Et là attention, je vais faire un petit truc, petite astuce pour ceux qui jouent à Borderlands 2 qui veulent débloquer les succès. Là vous voyez, normalement on est obligé d'activer le levier là pour passer, mais il y a un succès qui dit qu'il faut passer sans actionner le levier, donc on passe sur la chaîne comme ça. Hop, voilà. Défi réussi, nouveau point de boutasse. Ah, maintenant je vais voir si le point de boutasse je peux les attribuer. Et le point de boutasse c'est ça. Là c'est ça. Donc voilà, donc utiliser un champ de boutasse. Et donc là j'ai plusieurs trucs. Chance effet élémental, dégâts élémentaires, non. Réduction de récu, non. Dégâts corps à corps, changement des armes, réduction du recul. Je sais pas en fait. Franchement, des armes. Je sais pas. Bon. Bref. Vous voyez, j'ai plein de trucs. Genre, c'est pas toujours la même chose. Bon, là, dégâts caustiques, c'est pas la même chose qu'avant. Voilà, donc vous voyez, je peux prendre capacité bouclier tout de suite. Voilà, ça déjà en prend. Plus que deux. Alors, réduction de recul, chance de fait élémentale, dégâts élémentaires, dégâts corps à corps, 14 charge bouclier, on prend. Et le dernier, dégâts corps à corps, réduction du recul. Chance d'effet élémental, dégâts élémental, rechargement des armes. Tout ça. Puis voilà. Donc voilà, donc là j'ai plus. Et du coup, je me souviens, du coup, c'est pour ça que sur mon bouclier fait 144, alors que mon bouclier là il fait que 139. Parce que j'ai mis tellement de points avec mon autre personnage comme ça, là-dedans, que du coup j'ai beaucoup plus de boucliers que ce qu'il indique. Enfin, beaucoup plus. Ça se limite à. Attendez, c'est pas. Ok, laisse-moi réfléchir 2 minutes. C'est limite à 5 points, mais bon, 5 points, raison de 0,2, c'est-à-dire que j'ai attribué comme beaucoup de points de boutasse à l'intérieur. Donc là, maintenant, on va faire un petit peu de camping. J'espère que vous aimez ça, les amis. Alors, les méchants. Genre lui là-bas. Ah, merde, raté. Wesh, de la force, coucou. Oh, je suis en forme. Ok, bon, on va défoncer la tête de ce petit nabo là. Alors, comment ça marche, je sais même plus. Très bien, alors ce que je voulais complètement. Je voulais faire complètement fail. Non. Alors, l'astuce ici c'est de se cacher là en fait. Ici. Je sais pas ce que je pouvais prendre. Ok. Alors maintenant faut réussir à s'en sortir sans mourir. Vous savez ce que j'aurais pas dû faire? Revendre la mitrailleuse. Hop. Aïe. Je ne suis point là. Ils sont là-bas. Ils sont quelque part là-bas. Ils sont là-haut. Vous voyez lui? Vous le voyez? Eh ben pas moi. Et le petit là, vous le voyez? Moi non plus, je ne le vois. Hop. Et lui, vous le voyez là-bas? Je ne le vois plus. Et celui-ci. Ah, j'ai plus de balles. On commence? C'est reparti. Voilà.
À toi, bouge pas, voilà. À toi, bouge pas, voilà. Ah mince. Et voilà. Ah mince, il y en a encore un là. Bonjour. Je t'appelais Bob. Bob est mort. Voilà, bah je pense qu'on peut y aller maintenant, j'ai un peu vidé la zone. Y a du monde. Ouais, il y a ça là. Il y a ça là aussi. Bon, ça va. Oh oui, un fusil à pompe. Alors ça c'est bien, j'ai 8 balles et là-dedans j'en ai 19. Ok, et on va changer ça. Voilà. On va pouvoir dire que là on fait un... Après, je vais juste regarder quelque chose avant. Si ça ne me dérange pas, ça me vous dérange. Non. Et en fait, j'aime bien les viseurs. Enfin, j'aime pas les viseurs comme ça ou vis comme ça. Je préfère vraiment les viseurs à scope, un peu comme ça. Bon, en même temps, vous êtes un sniper, vous me direz. Mais je préfère les viseurs à scope plutôt que les viseurs comme ça. Non, faut trouver un moyen de monter là-haut. Je sais plus comment. Franchement, cette instance-là, j'ai beaucoup de mal parce que je sais plus vraiment comment on fait, où est-ce qu'il faut aller. Bon, je sais qu'après, c'est de la grosse. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Il me fait. Ouais, je parle pas beaucoup, mais parce qu'en fait, je touche, tu vas dormir. Ah, fais le boulot, vous inquiétez pas. Voilà. Ah, oh. 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 C'est vraiment top. Voilà, ça nettoie ça. Y'a un mec là. Ah, peut-être au-dessus, ouais. Attends, ouais, en fait, shotgun, je n'aime pas du tout. Je vais prendre ça, tiens. Peut-être moins de dégâts, mais. Ok, alors, on va pas se cacher que c'est un petit peu de la merde. Excusez-moi, changer un peu de beaucoup d'armes, mais là. Désolé, mais. C'est carrément la merde. Donc que ça se calme, je ne suis pas là, je n'existe pas. Voilà. N'existe plus. Un hauteur et on va rejouer le campement. Je retourne. Oh mince. Alors lui on va pas le tenter parce que lui il est chiant, il bouge tout le temps et j'ai pas besoin que je puisse one shot, mais pas vraiment combien bien top top. Ah merde, genre ils m'ont vu. Voilà. Ils sont où? Mais je prends les dégâts, mais je sais pas d'où. J'essaie de bugger ou quoi? Ah, d'accord, ils sont là-bas. Voilà. T'es là. Voilà.
Voilà. Arrêtez. Tu m'arrêteras pas, mais t'es quand même pas bien actif là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici. On a... Oh merde, pas top. T'es où? Oui, je t'aime bien, mais... Ah, t'es là. Voilà. Pas chiant, toi, hein. Tire dessus, je sais même pas où t'es, tu planques... Non, mais le mec... Vous voyez franchement que ça a qu'à faire? Non, mais n'importe quoi, les mecs. Bon, je sais que c'était la merde ici, clairement. Oui, je sais qu'en première vidéo, j'ai dit que... Incroyable. Celle d'avant, j'avais dit que pour la bouclier, le mieux c'était tout ce qui était cadence et tout ça. Sauf que, premièrement, j'aime bien contredire, et deuxièmement, bah. Qu'est-ce que ça fait, le monteur? C'est censé descendre. C'est censé être descendu. Oui, c'est une balle. Donc, c'est vrai que j'ai dit qu'il fallait économiser ses balles. Bah, n'importe quoi. Que j'avais dit qu'il fallait. Il y en a partout. C'est le bordel. Ah, il m'a vu en plus, c'est vrai. Quelqu'un là-bas. Ça t'a plu, hein? Voilà. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est pour ça que je vais te faire un beau cadeau. Je vais t'écraser la tranchée. Je vais te réduire en poulet. Pas question. Est-ce que je suis bon? Oh, je suis bon! Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais là j'avoue que... Excusez-moi, là, ce que je viens de faire, les mecs. Putain, y'a encore du monde, merde. Y'a tant de monde que ça. Excusez-moi, je suis un peu lent, mais voilà, j'ai pas trop envie de mourir, quoi. C'est parce qu'ils paraissent pas, les cocos, ils font mal. Y'a personne, là. Je vois plein de monde, mais je sais pas où ils sont. Ah là, je le sais, là. Là, je sais ce que c'est, là. Là, les mecs, on va en chier. C'est réglé. Parce que... C'est exactement ce qu'il me fallait. Ok. Là, les mecs, on va en chier parce que je sais ce qu'il y a de... Voilà, ça se comme ça que j'aime bien. Là, je sais ce qu'il y a derrière, les mecs. Donc, je... Voilà. Ah, les relations symbiotiques de banales, deux dangereuses créatures qui s'allient pour survivre à l'environnement hostile. Et le nain ressemble à un petit sac à dos humain. C'est rigolo. Voilà, c'est marrant, mais pas pour lui, parce que lui, il me donne à faire le sale boulot. Comment aller? Donc voilà, donc maintenant, faut tuer la grosse bestiole. Putain, mais merde, je trouve pas. Voilà, le problème de lui, c'est que
Voilà. Allez, bouffe. Bouffe, enfoiré, vas-y, bouffe. Il est parti. Voilà. Ah, bâtard. Oh, l'enfoiré. Attendez. Excusez-moi, je régène un peu, je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais j'ai pas trop l'habitude, en plus là je suis un peu concentré beaucoup là. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble en plus. Mais putain, mais là, mais les mecs. Ça sert peut-être pas à grand chose. On envoie. Ah là-bas. Voilà, on essaie de retrouver le nain à poil de carotte là. Il est où le nain à poil de carotte? Il est là. Attends. Il saute haut l'enfoiré. Ta gueule toi, mais va te faire foutre. Je t'en foutrais. Ah, je suis plein. Ah merde, mais non, mais ta gueule toi. Mais j'ai pas. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Oui, je sais que je suis plein. Je m'en fous un petit peu. Allez, salut. Où est-ce que tu es encore parti? Ah, je l'ai vu. Si vous l'avez vu. Allez, meurs, 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 meurs. Yeah. On peut dire que ça nettoie. Bon, maintenant c'est que la petite dire mine. Voilà. On va faire le ménage tranquillement. Il y a tellement de monde. Ouais, c'est bon, j'en ai ras le bol. T'es là toi. Voilà. Maintenant on va se taper l'autre là-bas. T'es où? Vous êtes sérieux? Mais les mecs ils respawnent et tout. Oh, j'ai fait une bêtise. Bon, j'ai fait une bêtise, non, petit peu. Bon, faut monter là-bas. On va quand même aller chercher la récompense, hein. J'avoue que ça lag un peu, bon, quand même, montez là-bas. Yes, alors c'était sûrement un peu par là. Je sais pas du tout comment tu montes là-haut. Je sais plus longtemps. Comment? Je peux pas monter là-haut. Mais vous êtes sérieux? Mais non. Mais genre, je peux pas monter. Ah, ah, il se pique. Okay, c'est de la merde en plus. Ah, oh, puis je suis plein. Alors attendez, bougez pas. On va jeter quelque chose. On va jeter. On va jeter un truc pas cher. 46, 31, qu'est-ce que je vais foutre. 29, de mieux en mieux. Toc, 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 toc. Ouais, 29. Merci. On vote 29. On vote 29, c'est parti. Alors jeter, c'est quoi? C'est Q. Ouais.
46, parfait. Eh ben, ah merde, non, surtout pas. Bon, oh, pas déconner non plus. Alors pardon, maintenant, point de compétence. Alors compétence, voyons voir, du coup... C'est quoi ça? Augmente le nombre de munitions tirées par votre tour à le sabre. À chaque rafale ainsi que la durée de déploiement. Ah, c'est pas mal ça. 2 secondes. Vitesse de rechargement. On s'en fout un peu. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ça augmente mes dégâts d'armes et tout ça. Augmente votre vitesse de rechargement d'armes et de visée ainsi que la vitesse de déplacement et la visée. Ok. La santé maximale, c'est pas mal. Augmente la capacité de votre bouclier en autre temps. Et votre bouclier est donc. Ok. Alors, clairement, apprendre ça. On va pas se mentir, c'est quand même badass. Ok, alors maintenant, maintenant ce qu'on va faire, c'est. Déjà, on va prendre ça. Ça m'a l'air bien, mais je suis plein. 48. 39, 49, 48. En fait, je suis un peu plein, donc ça peut pas être top. Ok, en fait, on va acheter 3-4 trucs là, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont tellement intéressants. Genre là le 31 là, ça dégage. Voilà, le 46, le 48. 46 ça dégage. Ok, maintenant on prend ça là. Lui là-bas, clairement. Il va le cher. Ok, c'est parti, maintenant on saute. Allez, on se carapate d'ici les gens. On se tire, on rentre. On rentre voir Sir Hammerlock, n'est-ce pas? Et une fois qu'on est allé voir Sir Hammerlock, je pense qu'on va devoir se quitter, hein, déjà. Oui. Je sais pas, je regarde, je vérifie. Ouais, après on va se quitter. Clairement, après je pense qu'on va se quitter. J'ai le temps d'aller voir chercher ce Hammerlock là. Plus personne ici. Ok. Est-ce que je peux. Non. Ah merde. Voilà, donc je l'avais dit, l'eau ça pique. Oui, ce mec est hydrophobe. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Donc ouais, on va en. On retourne voir Sir Hammerlock, on lui rend la quête. On va voir Max d'XP, je pense. On va prendre les autres quêtes qu'il va nous proposer. Je pense que dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va. Bon, le bouclier, je sais pas s'il y a quelque chose qui était mieux quand même. Donc on ira voir je pense que dans la prochaine vidéo on va aller se faire boum boum parce qu'il demande que ça depuis un bout de temps je pense et voilà et ton chargement est fini j'espère. Donc voilà, excusez-moi. Oh merde. Il y a des gens là. Bon, on va faire quelque chose qui s'appelle le kitting. Enfin, le kitting. Non, c'est pas vraiment le kitting. C'est surtout cours pour ta vie. C'est un jeu très très marrant, vous allez voir. Vous voyez, c'est un jeu excellent. C'est du sprint. En plus, c'est bien s'il n'y a pas de barre de. Il n'y a pas de barre de. D'endurance. Pas d'endurance. C'est pas d'endurance. Combien de temps on fait ça? D'énergie, il n'y a pas de barre d'énergie, du coup tout peut courir à l'infini et on me tire dessus. Carapatez-vous. Voilà, donc on va rendre la. Mais saute la glace, voilà, merci. Donc on va rendre cette quête, ça fait juste 15 fois que je le dis, c'est n'importe quoi. Hammerlock, où es-tu, Hammerlock? Hammerlock, oh, Bioman. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Hammerlock, Hammerlock. Bel exemple. Waouh. J'ai débloqué, super. C'est bon. Oh oui. Certaines créatures. Je fais des défis. Il fonctionne. Fonctionne, mais il n'y a pas de quête. Très bien. Alors du coup maintenant, on va aller revendre la tête parce que j'ai déjà débloqué. Ça sert un peu à rien de la garder. Donc, on va revendre cette tête là. On achète sa survie. Tais-toi, voilà. Voilà. En fait,
voyez, c'est Dr. Z. On le verra, vous inquiétez pas, on le verra. Il est génial ce gars, ils sont partout chez lui, c'est tellement bien. Il y a des gens là-bas ou pas? En fait, je vais. J'aimerais juste savoir si tu peux sauter par-dessus ça. Apparemment, non. Alors, donc, tant pis. Bon, bah, c'est tout. Bon, je pense qu'on va se laisser là. On va. Je vais. Si. Peut-être pas. C'est bon, là, on a quoi comme quête encore? Plus que la boum boum. Donc, le meilleur spire du monde. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, on ira se faire boum boum. Il va en prendre plein la tête, il va rien comprendre, ce pauvre. Donc là, je vais vous laisser. Je vous laisse, donc je vous dis au revoir. Alors, n'hésitez pas à bombarder cette barre de pouces bleus, enfin de pouces verts, de pouces, je sais plus quelle couleur. Bref, de pouces en l'air, mettez les pouces en l'air, commentez la vidéo, en bien, en mal, je rendrai compte des deux. Voilà. Et faites petite dédicace à ma plus grande fan. Que j'aime beaucoup. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je m'excuse parce que oui, je la connais. Et je m'excuse pour le dérangement occasionné. Et okay. Donc voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de voir si je peux pas dédicacer la vidéo à quelqu'un, un des abonnés en particulier, celui qui fait le meilleur commentaire, le plus gentil. Non, je rigole, mais voilà. Donc à la prochaine fois, on ira là-bas. Clairement, voilà. Ok, donc à la prochaine fois, on ira là-bas. C'est quoi ça, hein? On ira voir ça aussi parce que ça m'intrigue. Donc voilà. Donc à la prochaine. Salut tout le monde et éclatez-vous. Bisous.